Sup, gens de l'internet, on se reprend aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de personne parce que je n'ai aucun ami. Aujourd'hui les amis, on est sur fucking OpsiFight les amis. Je suis vraiment content de pouvoir faire la vidéo aujourd'hui parce que ça fait quelques jours qu'OpsiFight est ouvert. J'ai pas vraiment eu le temps de jouer, je me concentrais sur, sur CSGO etc. Et puis sur d'autres trucs, j'ai fait pas mal de vidéos aussi sur d'autres serveurs dernièrement. Donc j'avais pas vraiment le temps de rec sur OpsiFight. Là je vais commencer à rec et je me suis dit qu'on allait commencer le let's play avec 24 clés. Donc si vous savez pas, si vous avez acheté des trucs à l'ancienne version, donc sur la boutique, ils vous remboursent certains points boutique, donc pas la totalité je pense, mais ils vous remboursent des points boutique et vous pouvez acheter ce que vous voulez avec. Moi j'ai décidé d'acheter des clés. Un kit P4 titanium, ça c'est super bon. J'ai acheté 24 clés en xenotium qui est le meilleur truc pour avoir du stuff pour commencer, etc. Puis vous faire un coffre caché directement dans cette vidéo là. Je me suis dit que c'était la meilleure des idées, la meilleure chose à faire. Donc c'est pour ça que je fais ça. Et j'aimerais ça aussi avoir un spawner. Comme ça je pourrais faire une petite place pour avoir du spawner, farmer l'XP, ça serait cool. Oh, spawner! Ah, oh, je pensais qu'on allait avoir un spawner, les gars. Fuck. C'est pas grave, on a eu 2 livres U3, on va pouvoir les mettre sur ce P4-là, puis avoir un P4 U3 pour PvP. C'est pas si mauvais, les amis. Si vous savez pas c'est quoi OpsiFight, c'est un serveur PvP faction 1.7.10 qui est ouvert depuis tellement longtemps, les amis, je saurais même pas vous dire. Il y a plein de nouveautés. Si vous voulez vraiment tout savoir sur le serveur, vous allez sur le site opsifight.fr et vous allez pouvoir avoir plein de trucs. Ouh, 2 xenotium. Pas pire, pas pire, pas pire. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a quand même pas mal de trucs qu'on peut gagner vraiment bien cette pièce-là. Donc, j'espère franchement qu'on va pouvoir avoir quelque chose de bien dans cette fucking vidéo. Aussi, les amis, je pense qu'on va faire aussi une faction abonnée. Donc, ça, c'est bon pour avoir une balise, je crois. On va faire aussi une faction abonnée, je crois. Pour l'instant, je vais rejoindre mes amis avec qui je joue sur d'autres serveurs comme SkillPvP, etc. Je vais les rejoindre eux, mais je sais pas si on va rester avec eux pour longtemps, dans le sens que j'aimerais ça faire une faction abonnée, genre avoir un AP avec un abonné, avec des abonnés, puis genre jouer avec des abonnés, ça serait cool, de se faire des nouveaux amis quoi. On a regardé une clé, ça c'est quand même assez intéressant. Donc voilà, moi je trouve que ça serait vraiment cool de faire ça. Ensuite, je sais pas exactement qu'est-ce que je vais faire, combien d'épisodes par semaine il va avoir, mais les gars, j'aimerais ça vraiment en faire le plus que je peux, vraiment qu'on puisse avoir le max de fun ensemble. Et puis proposez-moi des idées, qu'est-ce que vous voulez voir les amis du PVP, je sais pas moi, qu'est-ce que vous voulez nécessairement voir. Donc vous avez juste à me le partager les amis, moi ça va me faire plaisir de lire vos commentaires. Et puis ça me ferait vraiment plaisir si on atteint les 200 pouces bleus sur ma vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. 2 orbes de réparation, c'est super bon, on a juste à les mettre U3, et puis aussi on pourra les vendre pour des points boutiques aussi. Si vous savez pas, on peut vendre des trucs pour les points boutiques sur ce serveur là. Donc si par exemple vous avez un P4 que vous voulez vendre pour des points boutiques, vous pouvez, ça c'est vraiment intéressant. Donc à la base je voulais faire une faction avec Flaws etc, mais beaucoup d'entre vous m'ont dit ah oh, non écoute, tu fais une faction avec les abonnés, c'est plus cool que les youtubeurs, blablabla. Donc je me suis dit ok, pourquoi pas. Le Sadian c'est comme du sable, c'est comme du sable dans le fond, je sais pas exactement c'est quoi sa propriété, sa propreté, ou je sais pas comment on peut expliquer ça. Let's go, please, spawner! Oh, je pensais d'avoir un spawner, man. Fuck, fais chier. On a 4 xenotium. C'est quand même pas si mal pour crafter la meilleure armure du serveur. C'est quand même, ça nous l'apprend, dans le fond. Oh, un autre P4 Tita. Moins. Comme ça, si on meurt, ben, on aura un autre. Puis aussi, ça me fera des items si jamais je veux vous faire un giveaway ou faire un coffre caché. Oh, j'aurai des items. Let's go, come on! Oh, je pensais qu'on allait avoir le spawner. T'es sérieux, man? The fuck, man? Come on, un spawner! Ah, oh, un autre P4 Titan. C'est pas super. Au moins, ça fait des P4 pour aller PvP, tu sais, je veux dire. C'est mieux qu'un rien, quoi, right? Come on, mate. Come on, un spawner! Ah, oh, un autre kit P4. À chaque fois que je dis ça, on met un kit P4. What the fuck? C'est pas juste, man. C'est pas juste. Là, par exemple, j'ai juste 4 slots, fait que. Ok, un under chest. Je pense qu'ils sont pas craftables. Fait que ça c'est vraiment bon en fait. Je vais juste faire slash SC. Hop là, ça monte les coordonnées. On n'a pas accès à la commande, c'est vrai. Faut aller ici. Boom. Et là, on va mettre nos P4 ici à l'intérieur. On en a quand même popé pas mal. Donc on va mettre ça là. On va mettre nos ordres de réparation là. On va ouvrir la boîte en titan. Je crois que c'est ça. Titanium. Ouais, let's go. On va l'ouvrir. Qu'est-ce qu'on va obtenir dans celle-ci? Oh, 4 cookies de pépites en garnet. Garnet qui est un des minerais sur le serveur. Ça, c'est cool. Let's go. Il nous en reste 6 à ouvrir, les amis. Let's go. On est capable. Let's motherfucking go. Spawner. Oh, je pensais qu'on allait avoir le spawner. Fuck.
Fuck. Oh, let's go, boys. On est capable. Il en reste 3 ensuite. Non, 4. 4. Oh! Oh, je pensais qu'on allait avoir l'épée en obsidium. Ça a été vraiment bon. Trade, accept. Oh, ok. J'ai accepté. On sait jamais. Peut-être que des gentils voulaient nous faire un big don. Come on. Oh, yes, épée en obsidium. Parfait, les amis. Parfait. Ça, c'est vraiment bon. Ça, je suis vraiment content. C'est vraiment bon, ça. Nice. OMG, folks. Let's go. Il nous en reste 2. Oh, un under chest. Je pensais qu'on allait avoir le spawner qui était juste à côté. Let's go. Il nous en reste 2, les gars. On est capable d'avoir un spawner sur une des 2. Je sais qu'on est capable, les gars. Ça serait vraiment cool d'avoir un spawner en vrai. Parce que ça nous ferait une farm à faire. On pourrait faire une farm. Et on pourrait farmer l'argent, etc. Ce serait vraiment cool. Let's go. Dernière clé. Dernier spawner. Let's go. C'est easy spawner. Merci pour le spawner. Hostie. Ça aurait pu être, c'était proche en tabarnak le spawner par exemple, c'est les boys, hein. Esti. Let's go, attends. Une dernière clantita, les gars. Let's go. Et puis ensuite, je vais aller PVP, les amis. On va tester le PVP. On a eu 64 sadians. Donc, merci beaucoup pour cette ouverture de merde. Je vous reprends pour une petite séquence PVP tout de suite après. Et les gars, on va faire une séquence PVP en mode fucking YOLO, ok. Donc, je vais prendre mon épée en obsidium. Je vais risquer de la perdre, les amis. Ça va être vraiment dur, mais on sait jamais. Je vais prendre des biscuits en obsidienne, je vais pas toutes les prendre, je vais prendre genre ça, ça c'est bon, on va prendre des orbes de réparation pour se réparer. En fait, on va prendre les 4 pommes shit yolo. Yolo les gars, puis on va aller PVP au nord, let's go, ça va vraiment être la merde les amis. Qu'est-ce que ça donne le biscuit en obsidienne? Régénération 2, puis le garnet, j'espère que ça donne speed 2 au moins. Yep, c'est good, c'est ça que je voulais. Donc, maintenant qu'on peut aller PVP, on peut peut-être essayer de tuer les gens. Est-ce qu'il va sortir lui? Allez, viens. Viens me combattre. Pussy. Oh, j'ai trouvé des gens. Les amis, j'ai trouvé des gens. Ça va être amusant. J'ai trouvé des gens. Il y a 3 personnes. Ils s'amusent à chase une personne. Ça, c'est ce qu'on appelle ça. Pas très catholique, les amis. Hein, comme vous pouvez voir. Pas très, très gentil, tout ça. Hein. Je dois vous avouer, les amis. Pauvres eux. Mais bon, tu sais, je veux dire. Tant pis pour eux. Ils ont voulu PVP. Aussi, je sais pas si vous savez, mais gardez sur ce serveur, vous pouvez être en beau tendu, etc. Puis courir à la même vitesse. Ça, c'est cool aussi. Si vous le saviez pas, maintenant vous le savez. Si vous le saviez pas, maintenant vous le savez. Zmi. On va aller lui dire bonjour, mec. Je le connais. C'est un cancer, ce jeune homme. Ok, mais mec, il va bien trop vite, esti. Oh, comme il panique, lui. Comme il panique, mec. Il panique, lui. Oh, mon Dieu, il panique. En fait, c'est moi qui panique un peu. Je rigole, les amis, c'est une blague. Okay, je vais juste prendre Punchy. Popeye. Vous avez mis en combat. Ok, on voit au-dessus de notre bord. Ça, c'est cool. C'est cool, on voit au-dessus de notre bord. Nice. Par exemple, What? C'est quoi le casque qu'il y a, man? Ça me déconcentre. Ok, moi j'ai pas de potion ou rien, hein. Moi j'ai juste des coquilles, une épée en obsidienne et c'est tout. Par exemple, c'est un peu emmerdant les herbes, je dois vous avouer mes très chers amis. Aussi, il faut que j'active mon HUD, genre je vois pas mes particules putain, c'est quoi ça? Ok, regardez ça man, je peux pas le toucher. C'est bon, j'appelle cheat. Ah oh, ben oui, il fallait qu'il TP ses amis hein, bien sûr. Ah ben oui, TP tous tes amis gros hein. Ah ouais, ta gueule. Oh oui, je l'ai tué. C'est bon, j'ai tout son stuff. Non, j'ai récupéré tout son épée. Fuck, fait chier ça. C'est bon, je l'ai DDoS les amis, c'est confirmé, je suis un DDoSeur. Vous avez tué Zmi, c'est bon. Tu vois, vous voyez, je suis trop fort les amis. On m'appelle Icons DDoSeur professionnel. Donc, ça fait chier que j'ai pas récupéré les items parce que son ami me fightait comme un porc. Mais, c'est pas grave. Si on tue lui, on pourra au moins les récupérer ses items. Ça t'apprendra à TP quelqu'un en PVP, gros. Donc, oh, tiens, toi aussi. Oh, ok. Non, pas toi. C'était une blague. Calme-toi, jeune homme. C'était une blague. Tu vois ce qu'on appelle des blagues dans le milieu. C'était des blagues. Maintenant, tu vas back ou tu vas TP 40 de tes amis. Je sais pas encore, mais on va te fight jusqu'à la mort. Parce que moi, je m'en fous de perdre un stuff. C'est comme Minecraft, c'est pas vraiment ma vie. Et c'est ce que je me disais. Tu TP tes amis parce que t'es pas capable de combattre tout seul, jeune homme. Et bien sûr que oui. J'aurais dû m'en douter, les amis. Whoop-a-lay.
Oh non, je suis tombé les amis. Zut, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis pas chanceux. Oh non, 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 non. Ça part les popettes. Qu'est-ce qui m'arrive? Oh non, 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 non. Zut de flûte les amis, qu'est-ce qui nous arrive? Prends un petit biscuit comme ça, on sait jamais. Et là, normalement, j'ai un petit peu l'avantage sur eux. Oh shit, oh shit. Oh shit, je suis pas capable de jumper les amis. Oh non, zut alors, on remonte. À la vie, à la mort. Ta-ra-ta-ta-tam, tam, ta-ra-ta-ta-tam, tam, ding, ding. Ok. Oh, merci pour le petit boost, mec. Et salut! Je m'appelais Georges. J'étais un petit singe sous la mer. Oh shit. Oh shit. Il y a de l'eau, man. Moi, si je vais dans l'eau, je suis mort, man. Ils sont deux. Vous comprenez, j'ai peur de l'eau, les amis. Non, sinon, merci, merci ZMY pour le petit free stuff que ton ami a récupéré. C'était un free kill plutôt, pas un free stuff, parce que j'ai pas récupéré le stuff. Mais c'était quand même assez amusant. Merci, tu m'excuseras de t'avoir DDoS, les amis. Ça fait partie du jeu, hein, je veux dire, c'est Minecraft, tout le monde DDoS tout le monde. Oh shit, comment il a fait de me mettre en combat? Il y a genre des perles? The fuck? The fuck, il y a des underpearls, esti. Oh tabarnak, il y a des underpearls. Puis il y a des debuffs aussi, le tabarnak. Ah ben, le petit tabarnakos. Moi, j'ai pas d'underpearl, là. En tout cas, il a fait sa debuff, au moins. C'est un bon point. Ah, oh, si, attends. S'il y a vraiment des perles, OK, en fait, l'eau, c'est la meilleure solution. Ouais. Ah, oh, si, il TP encore plus de gens. Il TP encore plus de gens. Pas très bon, hein. Vraiment pas très bon, ce jeune homme. Prends un petit biscuit en obsidienne, les gars. Inquiétez-vous pas. Ça va être rapido presto. On va mourir assez rapidement, de toute façon, les amis. On va pas se mentir. Faut pas se raconter des blagues, hein. Quand vous avez 3 personnes sur vous, c'est votre chance de survivre est de 0.0000000. Mais si vous réussissez, les amis, vous êtes vraiment un PGM. Ce qu'on va sûrement réussir à faire, inquiétez-vous pas. Le but, c'est de ne plus être en combat et de faire sa pute et déco, parce que c'est ce qu'on est, des gros, une grosse pute. Donc, aussitôt qu'on n'est plus en combat, c'est ce que je vais faire, je vais me déco avec le stuff, parce que je veux pas perdre mon épée en obsidium, et je suis vraiment un fils de pute. Oh shit. Ok, est-ce que je l'ai fait ou pas? Honnêtement, est-ce que je l'ai fait ou pas? Est-ce que je l'ai fait ou pas? Ah, il m'a mis en combat. La minute que j'allais le faire, il m'a mis en combat. Zut alors. Allez, rip. On peut pas faire comme... Ah, si, ça m'énerve, ça. On peut pas faire comme sur... comment ça s'appelle? Skill PVP. Genre, sur Skill PVP, on peut faire genre Alt, puis voir en arrière de soi. Ça, c'est vraiment, vraiment bon, en fait. On peut pas le faire. Là, bon, ça fait combien de temps que je cours? Bon, je vais reprendre quand je vais mourir. Oh non, il y a perle sur moi. Ça perd les popettes. Sapper l'hypopète. Non, je suis pas chanceux, les amis. Il a perle sur moi. Zut alors. Vraiment bon, mec. Hein. Vraiment doué. Je vais lui donner le moins de stuff possible, de toute façon, les amis. Ouais, ça commence bien. Ça commence bien, Skill PVP. Pas Skill PVP, Upsy Fight. Ça me donne vraiment envie de continuer de jouer. Hein. Ouloulou. En vrai, c'est moi qui s'est mis dans cette situation-là, pour être honnête avec vous, mais bon. C'est pas grave, ça fait partie de la vie. J'aime bien râler. Let's go, ça va dans l'eau. Ok. Ok. Je vais le dire, je peux prendre le bateau et m'en aller. Mais faut croire que ils ont réfléchi. Oh non, zut alors. Qu'est-ce qui se passe? Je suis coincé. Oh non, zut alors. Chloé, 11 ans. Je n'ai pas d'amis, donc faut que je m'appelle Chloé pour essayer d'avoir des amis. J'ai l'impression que la poison ne t'enlève pas vraiment de vitesse dans ce jeu-là. Je sais pas si c'est moi ou je sais pas, là. Mais oh my god, les amis. Oh mon dieu. Oh non. Oh non! On va mourir! En tout cas, moi je vais utiliser leurs perles. Moi personnellement, c'est pas vraiment grave en fait. Si je perds mon stuff.
Je vais juste perdre une T5 en obsidium. Ce qui est quand même faisable de revoir assez rapidement. C'est juste deux xénotium avec une... Non, c'est un xénotium, je crois, avec une boule. Un truc de corps, là. Un corps en xénotium ou en obsidium. Je sais pas, je suis pas 100% sûr. Mais... certainement... Attends. Quête suprême. Ah, ok, on a du stuff. Nice, nice, nice. C'est quoi que ça nous donne, ce kit-là? Ça nous donne des outils puis des trucs comme ça. Ah, c'est nice, c'est nice. Bon, pendant que vous regardez, les gars, ben moi, je vais continuer à avancer, ok? Ils sont vraiment bons, hein, par exemple. Faut vraiment que je vous le dise, là, c'est vraiment des très bons joueurs PvP, les amis. Vraiment, là. Je suis surpris. Vraiment, capacité extrême de PvP incroyable, mesdames et messieurs. Je dois vous avouer, félicitations. Vous avez réussi votre vie. Regardez ça. Ok les gars, si j'arrive à la limite de map puis je suis pas encore mort, ok, j'achète à tout le monde 100$. Je donne 100$ de fucking carte de McDo à tout le monde. Ou carte de kebab, je sais pas, tu sais, genre de carte bonus. Tiens, je vais lui donner une botte, il mérite bien. Après avoir couru autant de temps, il mérite bien une petite botte. Ok, 18 secondes, je vais déco juste pour les faire chier, man. T'es prêt? 5, 4, 3, 2, 1. Je pense que c'est bon. Je pense que je suis bon. Allez, c'est bon. GG.